Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à François Ier. François Ier est un roi qui est sacré à Reims en 1515. Il fait son entrée à Paris, puis entraînera la cour dans la vallée de la Loire. Tout comme Louis XII et Charles VIII, le roi tourne d'abord ses regards vers l'Italie. La bataille de Marignan va inaugurer en fanfare le règne de François Ier, qui deviendra le maître du Milanais. Il reviendra accompagné de Léonard de Vinci d'Italie, et son règne va être marqué par un affrontement incessant avec le roi d'Espagne, Charles Quint, qui est élu à la tête du Saint-Empire romain germanique en 1519. Par la suite, le connétable de Bourbon trahira François Ier et passera du côté de Charles Quint. La France essuiera donc la perte du Milanais, puis l'humiliante défaite de Pavie en 1525. Le roi est lui-même fait prisonnier et 8000 Français vont périr. La rançon est lourde, la France serre un quart de son territoire et le roi et ses deux fils sont pris en otage. Trois guerres vont succéder entre le roi et l'empereur, mais à son retour, François Ier frappe un grand coup pour établir son autorité. La France deviendra alors le pays le plus peuplé d'Europe et le roi sera le maître de l'église, de l'armée, des finances, de la justice. Il imposera aussi sa volonté au Parlement. François Ier entend par le système de cour renouer avec la noblesse. Il fera de Paris le cœur du pouvoir et mettra en chantier le Louvre. Nous avons ici un grand bâtisseur et aussi un grand protecteur des arts et des lettres. Le roi développe un mécénat inouï. La France rayonnera même jusqu'au Canada, conquis par Jacques Cartier. François Ier est en effet considéré comme le prince de la Renaissance. Outre Léonard de Vinci, il attirera en France de nombreux artistes tels que Andrea del Sarto et protégera des humanistes et poètes tels que Budet, Ronsard et Marot. Il nommera Robert Estienne en tant qu'imprimeur royal et fondera un dépôt légal dans la bibliothèque royale d'un exemplaire de chaque livre imprimé. Il créera en 1530 le futur Collège de France et, par l'ordonnance Villers-Cotterêts, le français deviendra la seule langue officielle en 1539. François Ier est donc un roi qui, même s'il a perdu les guerres d'Italie, eh bien donne une impulsion majeure à la monarchie absolue et à la Renaissance en France. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder les vidéos des autres sujets, que ce soit la mythologie, que ce soit l'histoire en général, selon les différentes périodes. Elles ont dû s'afficher dans les playlists durant la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, des précisions à apporter, n'hésitez pas aussi. Je rappelle que cette série, elle est faite pour être assez courte, les épisodes aussi, donc je ne peux pas aborder tout ce qu'il y a, surtout sur les prochains rois qui vont arriver, déjà que là on a fait des rois qui sont assez conséquents. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao.